My name is Rasputin, but everybody calls me Raz. Psychonauts! Voilà, ça me permet de sauvegarder l'enregistrement et tout pour ne pas avoir à refaire ce horrible, cet horrible passage de téléphone. On me venait travailler sur les lignes avec Loger et les entrepôts. Oui, oui. On va y aller ensemble. J'ai un téléphone spécial. Ce sera très très bien, alors. Ah! J'ai un peu peur, j'ai tendance à avancer alors ça va pas du tout ça. Bon bah on est parti. Hein. J'ai trop peur. On va rester sur ce côté là. Hein. Oh non, j'avais pas compris. On y va, oui. J'ai mal chargé, j'ai pas chargé la bonne partie. Attendez, j'ai fait quoi là? On me trouve. Je suis réparateur de téléphone. Et les entrepôts de livres. Venez travailler sur les lignes avec nous. J'ai eu franchement très peur. Ok, faut que je saute quand même. Non, moi, je voulais être. Faire ça de manière sécurisée et tout, être sûr de mon coup, mais. Mais apparemment, ça ne marche pas. Très bien. On va devoir sauter. On va sauter du coup. Alors. En ce moment, on reste dessus. Ok. Là, on va devoir sauter aussi, je suppose. Voilà. N'ayons pas peur, hein. Soyons approximativement en confiance. Ok. Ok. On va sauter. Ah, bah, c'était sur le toit, c'était plutôt bien. Hein. On va faire le tour en bas déjà. On va voir ce qu'il y a. Et après, on verra à monter sur le toit. Il doit y avoir des choses sur le toit aussi. Hein. Toujours des choses sur les toits. Donc, il n'y a pas de raison que cet endroit-ci y échappe. Je vais être sûr de rien louper. Déjà, là on peut aller là. Et on peut casser tout ça. Ok, hop. Récupérer des souvenirs, parce que les souvenirs c'est bien. Ça nous fait monter de niveau. Voilà, bientôt on va avoir deux pouvoirs en plus. Hein. Oh. Ces trucs qui apparaissent dans les maisons, c'est stressant. Attendez, ça je peux le casser ça. Ah oui, ça me fera pas de mal, oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que je peux monter sur ce toit là? Il m'a l'air assez haut quand même. Ah bah il y avait rien sur ce toit. On m'a fait mentir. C'est très mal. Alors, on va rentrer. Juste une seconde. Oh mon dieu. Pourquoi elle hurle comme ça? Je me dépêche. Ah, va falloir te dépêcher un petit peu plus hein. Allez. Je me dépêche! J'arrive! Bah viens, j'attends. Ah non, c'est parce que je... Ah non, mais j'ai encore gâché ça, mais c'est pas possible. Je m'habitue là. Je ne capte rien. Je ne capte rien. Je dois sûrement être hors de portée. Je suis encore bloquée? Hors de portée? Tu veux voir ce que ça donne si tu montes là-haut? Non mais reste en haut. De retourner dans l'autre sens. Je ne capte rien. Je dois sûrement être hors de portée. Je me dépêche. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Qui est là? C'est moi, tu veux bien ouvrir? Je ne capte rien. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Je dois sûrement être hors de portée. Je ne capte rien. Attendez, j'ai entendu. Je dois sûrement être hors de portée. Je ne capte rien. Juste une seconde. Bon, le bruit c'est dans ma tête.
Je ne capte rien. Moi non plus, il capte rien. Je dois sûrement être hors de portée. Comment je fais pour entrer? Je me dépêche. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur qui est là. Je me dépêche. Tu vas l'ouvrir cette porte. Stop, hélico, posez-vous et laissez-moi monter. Je veux savoir ce qu'on voit de là-haut. Stop, hélico, posez-vous et laissez-moi monter. J'arrive. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. T'es pas hors de portée là. J'arrive. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Comment je fais? J'arrive. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. J'arrive. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Ah! Mais comment je fais? Quand tu dis faut qu'elle soit dans ma portée pour que je puisse regarder, mais... Juste une seconde! J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur qui est là. Je peux pas être invisible. J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Non, je peux pas mettre le feu à la porte pour qu'elle ouvre. Remarque, ouais, ça risque de pas forcément. Bon. Juste une seconde! J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur. Ah, mais comment je fais? C'est pas possible. Juste une seconde! C'est une question de rapidité ou quoi? Bon, bah du coup... on va re-sauvegarder. Tant pis. Alors voilà, alors j'en ai profité pour aller prendre un bol de lait. Et tout me renverser dessus de manière totalement involontaire. Donc du coup, ça m'a pris un petit moment. Et c'est normal qu'on ne puisse pas faire ce niveau, tout simplement parce qu'il nous manque un pouvoir. Il nous manque un pouvoir absolument indispensable pour le réussir. Donc du coup, on va retourner voir notre... Encore cette odeur. Petit docteur. Agent Krüller, vous avez des conseils sur la situation actuelle? Tu n'as jamais sonné aux portes? Il faut qu'on se cache avant qu'elle arrive à la porte. Et quand elle l'ouvrira, ah bah là! Rien d'autre à signaler pour l'instant. Krüller, terminé. On va réessayer une dernière fois. Juste une seconde! J'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur qui est là. Eh oh! Ouais, on peut pas. On peut pas. C'est confirmé, donc... Délicieux! Donc... Il faut que je rentre au QG. On va lui demander nos pouvoirs. Sois prêt pour l'extraction. Je
Je sais pas comment on va revenir après. En récompense de ton travail, de ton dévouement, de ta bravoure et de ton agilité mentale, j'ai le grand honneur de te remettre le badge officiel d'invisibilité. Voilà, c'est tout. On risquait pas d'y arriver sans, en fait. C'est pour ça qu'on était bloqués. Ok, on va faire un jeu. Attention, un autre censeur. Oh non, plus de munitions. Même pas vrai. Maintenant, si. Voilà les règles. Tu dois l'éliminer. Mais si jamais il te voit, tu as perdu. Au travail. Hey, où il est passé? Dans un genre totalement différent. Sais-tu que... Ah, bien joué! Voilà ce que permet l'invisibilité. Je crois que j'ai entendu les gamins du camp qualifier cette technique de « silencieuse, mais mortelle ». Rasputin, viens ici. Je veux te montrer quelque chose. Oui? Quoi donc? On est où, là, d'ailleurs? Oh! J'arrive. Je suis jamais allée dans cette salle. C'est la salle d'observation? Il ne reste que toi, petit. Oh merde. Et Lily? Je n'arrive même pas à contacter Sacha ou Mila. Et Dieu seul sait pourquoi. Sacha a dit qu'il partait en mission officielle. Impossible. Je le saurais forcément. Non, il leur est arrivé quelque chose. Rasputin, écoute. Tu es le dernier à pouvoir arrêter Oleander. Mais, et vous? Je ne peux pas quitter cette grotte, Rasputin. Pourquoi? Pas comme le fort crûleur que tu connais. Quoi? Pourquoi? Il y a des années de cela, je suis sorti à peine vivant d'un terrible duel psychique. Ouais, j'ai lu ça. On a dit que votre psyché était brisée, que vous étiez devenu fou. Mais vous avez l'air bien. Oui, quand je suis ici, près du filon de Psitanium, le pouvoir concentré du Psitanium m'aide à ordonner mes pensées, à être comme autrefois. Mais si je quitte ce sanctuaire, mon âme se désagrège et j'adopte une de mes autres personnalités, sans me rappeler qui je suis vraiment. C'est pour ça. Je ne serai qu'un boulet, sauf si tu as besoin de ratisser ou de nettoyer. Eh bien, vous pouvez appeler le QG et demander de l'aide. Les psychonautes ne m'écoutent pas. Ils m'ont classé cinglé depuis des années. C'est pourquoi Sacha et Mila doivent faire toutes mes missions. Le QG ne sait pas que c'est moi qui gère les affectations, sinon il les refuserait. Mais Sacha et Mila n'ont pas l'air d'être en mesure d'agir. Tu vas devoir être mon agent, Rasputin. D'accord. Tu es prêt? Oui. Non, pas encore. Et j'ai maintenant oui. Pardon, j'ai mal choisi. Bien. Tu dois découvrir où ce monstre a emmené la fille. Et si tu trouves d'autres cerveaux d'enfants en chemin, rapporte-les-moi pour que je les remette en place. Compris? Ah, je vais trop vite. Je veux dire, oui, chef. Ok, ok, d'accord. Il aurait fallu que je revienne ici après le monstre. Alors maintenant, comment je fais? Comment je fais désormais? Où voulez-vous que je vous amène, agent Krüller? On va aller... Déposez-moi devant la grande salle. Oh, ramenez-moi un burger cette fois, d'accord? Reprendre des bonbons. Reprendre des bonbons, voir si on peut acheter autre chose. L'aliment, c'est peut-être intéressant. Je sais pas ce que c'est, cet aimant. Mais ça m'intéresse. Je capte rien du tout. Ouais, y a pas de pointe de flèche profonde dans le coin. Hop. Je sais par là si y en a une là.
Là. Nickel. Alors, on va au magasin. Hop. Allez, c'est parti. Et dedans, il peut rien avoir ou pas? Je crois pas, non. Hé, hey, du neuf au magasin? Jette un œil. C'est une catastrophe. Avec ça, tu peux changer la couleur de certains de tes pouvoirs, comme ta bulle de lévitation, et pas mal d'autres trucs. Bon, c'était un peu un gadget. De mon temps, les pouvoirs psy étaient tout gris, et ça marchait. Ah, voilà quelque chose dont tout cas des psy a besoin. Ça fait quoi? Bon, si tu prends des bons avec ça, ah, voilà quelque je chose dans ça. Tout. Excellent choix. Désormais, l'énergie psychique utile sera directement attirée vers toi jusqu'à une certaine distance. Ah ben, ça m'arrange carrément. Qu'est-ce que je peux oui. faire d'autre pour toi? Bah, c'est bon pour l'instant. Eh bien, va chercher d'autres pointes de flèche et reviens. Soutiens le petit commerce. Oui, 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 t'inquiète pas. C'était plus important que le bonbon parce que du coup, on sera plus tranquille, on n'aura pas à courir après et tout. Donc, ça va nous changer la vie un petit peu. On va demander à aller au lac. Il n'y a plus personne, ils sont tous complètement. C'était quoi ça? Bon, on va retourner au lac. Et on va demander à retraverser où de l'autre côté. Que je vous amène à Jean Kruller. Amène-moi au lac, s'il te plaît. C'est l'heure d'aller au lac. À vos ordres, amiral. Comme ça, on va demander à Linda de nous ramener de l'autre côté. Mais Linda, elle est censée nous aider. Linda, j'ai besoin de toi. Il te suffira de m'appeler avec ceci, n'est-ce pas? Notre idée de sortir de l'eau pour t'emmener de... Tu y tiens vraiment? Oui. Horrible d'hypnose, t'as l'air trop mignonne. Quoi de neuf, Linda? Prépare-toi au voyage, petit oui. homme. Tellement mimi que je vous l'ai mis en un outre. Allez. C'est l'heure du grand voyage. Qui te conduira à travers les âges. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Où est-ce que j'ai trouvé ça, moi? C'est l'heure du grand voyage. Qui te conduira à travers les âges. Si quelqu'un trouve, je lui serai éternellement reconnaissante. Il y a un film dans lequel on dit c'est l'heure du grand voyage qui te conduira à travers les âges. Je suis incapable de te retrouver. Du jugement dernier. Oh, oh, non, non, une seconde. Je ah, c'était Dracula, ces en fait. De corbeau. C'est fort possible. À confirmer. Alors, on va retourner dans sa tête. Ah, ah, encore une saleté de moucha. Je suis désolée. Il faut vraiment qu'on y retourne, du coup, parce qu'on cherche toujours le laitier, en fait. Maintenant qu'on est invisible, on va pouvoir y arriver, parce qu'on était bloqué, c'était normal. Totalement normal. Alors par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Il y a un truc qu'on peut faire avant de... Je travaille dans les égouts. Ça, il va nous falloir... Je travaille parfois pour le gouvernement. Je ne tue pas par passion, mais pour l'argent. Il y a un autre poteau téléphonique, si vous vous souvenez, de l'autre côté. C'est sale. Et j'aimerais bien y aller. Je ne sais plus très exactement... Je suis réparateur de téléphone. Attendez, même est-ce que si je peux prendre lui maintenant? Ici, il faut une étiquette de carton à chapeau. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et on nous manque deux étiquettes. Les alors, égouts du coup, les plus dans jolis la poste. Sont ceux de Paris, en France. À moins que je l'ai trouvé. Et le truc... attendez, ça du coup, on peut cogner. C'est l'occasion de... J'aime tailler les haies. Mais attendez... Attendez, on va faire ça du coup. Je dois éviter les bouchons et cet appareil est l'un de mes outils. On va aller voir ce que ça fait si on taille les haies avec ça. C'est où qu'ils sont là les fous avec les haies? C'est plus loin? En fait, c'est vraiment les voitures, il me manquait juste le coup des voitures, ça c'était. Et le pouvoir évidemment. Ça, le pouvoir, je pensais pas que c'était tout de suite vu que. Je pensais que c'était bloqué. On pouvait pas aller le voir à cause de ce qui se passait. L'étiquette des valises. Voilà ce qu'il me faut. Ok.
il manque bien deux étiquettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le truc des haies. Ah, c'est chuchoté à tout le temps. Alors. Et leur copine qui s'est jetée à travers la fenêtre. Donc ça, les arrosoirs, c'est fait. J'arrose les plantes. Les fleurs, c'est fait. Nous travaillons dans les égouts. C'est fait. Crénom de nom, c'est où? C'est quelque part, mais où ça? Voilà, ce poteau téléphonique. Essaye, 1, 2, 3. Je grimpe au poteau téléphonique. C'est là, c'est là, c'est là. Salut, si bon, je attendez, veux, on va essayer ça d'abord. Des conversations téléphoniques. Oui. C'est attiré vers moi. C'est génial. Alors, on peut récupérer ça au moins. Ah bah voilà quelque chose d'intéressant. Je taille cette étiquette de valise, on va pouvoir aller sauver notre ami la valise. Super, super, super. Je fais de fréquentes pauses pour éviter le syndrome du canal carpien. C'est bien de faire des pauses. C'est ma maison. Roule à tapisserie. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Ah bah, sûr, bah voilà. Génial, génial, génial. Ah bah, heureusement que j'ai voulu tester d'autres voitures au final, parce que sinon on l'aurait pas trouvé. On peut faire des tartes à tout. D'accord. Même. Il est important de ne pas appuyer trop fort quand on étale une pâte à tarte. Sérieusement? Au cours des dernières années, j'ai absorbé de nombreux... Bah on va prendre la pâte à tarte. Je prépare une tarte. Bonjour. Bien, venez avec nous. Fallait pas que à je les tape. À quoi servent ces lunettes? Qui est le laitier? Avez-vous incendié le grand magasin? Je voulais juste récupérer... Ah bah je me suis perdue du coup. Bon, attendez. Non, c'est par là. C'est par là, n'est-ce pas? Powerful human child.